Bonsoir à tous les amis, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les soirs, 20h, 23h, pour faire un petit peu, pour s'amuser ensemble, pour jouer ensemble, notamment ce soir sur Hogwarts Legacy, il y a Brico Gaming qui est là, bonsoir à toi, Emule-moi qui est là également, bonsoir à toi, il y a Lionki qui est là, bienvenue à toi, Younes forcément, The Lich King, Reda, Attila, merci à tous, Great Job qui est là, merci beaucoup d'être tous présents les amis, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver comme tous les soirs. Alors hier, pas de gaming, c'était le Burger Twitch, le replay est disponible sur YouTube d'ailleurs hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avant-hier non plus, trop de travail parce que hier c'était la sortie des tests du PlayStation VR 2, des premiers jeux, etc. Donc autant vous dire, et Letty qui vient d'arriver aussi, coucou à toi Letty, la casquette de Relsan, et ouais on représente ici Amnir. Et donc du coup j'avais pas mal de taf avec les tests du PlayStation VR 2. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a pas mal de vidéos qui sont sorties là. Regardez-moi ça. Hop. Vous avez cet après-midi, on a sorti la critique de Jurassic World VR, j'ai sorti la critique de Kayak VR, la critique forcément du PlayStation VR, de Horizon Call of the Mountain, il y a le replay du Burger Twitch, n'hésitez pas. Il y a pas mal de contenu ici, mais également sur mon site, puisque à chaque fois ça bug. À chaque fois, je vous prépare, en fait, je vous propose une vidéo, mais également sur mon site, en fait, un petit résumé du jeu, les caractéristiques et tout, mais aussi les points forts et les points faibles du jeu. C'est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Tout vu, super travail. Bah voilà, t'es au top, Letty. Letty, t'es au top. Younes qui a tout vu aussi. Bah, vous êtes un quoi. Je sais même pas pourquoi, en fait, je vous en parle. Je sais très bien que vous êtes une communauté au top. Donc voilà, voilà, c'est tout. Là, le petit planning. On est vendredi ce soir. C'est le dernier soir. Et après, petit repos ce week-end. Et on repartira lundi
pour repartir, quoi. Pour une nouvelle semaine ensemble à faire plein de choses, plein de streams, plein de vidéos. Je ne sais pas encore le programme de la semaine prochaine. Je pense qu'on va repartir sur deux soirs de Hogwarts Legacy ou peut-être trois soirs avec un soir soit sur Test Drive, soit sur Crash Bandicoot. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis en train de réfléchir. Et il y aura sans doute le retour de Twitch Show la semaine prochaine. Voilà, donc pour le petit programme de ce qu'il va y avoir, et ce week-end, je vous prépare aussi des vidéos, un nouveau vrai ou faux, etc. Et salut à Jean, Stéphane qui vient d'arriver, hello à toi, t'as mangé quoi ce soir? J'ai pas encore mangé, donc il se peut que j'ai grave la dalle d'ici la fin du stream, parce que je n'ai pas encore mangé. Donc voilà, comment vous allez-vous les amis? Est-ce que tout le monde va bien? Avec qui le Twitch show? Ah ah! Bah en fait, j'attends la réponse. C'est peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Enfin, la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Je ne sais pas encore. Mange mon Chris, même en live tank. Non, mais non, quand même. Je vais me retenir. Je vais me retenir. Je me ferai mon bon plat de pâtes à 23h après le live. Je vais vivre ma meilleure vie. Enfin, peut-être à minuit. C'est après le live, moi du coup après il faut que j'upload la VOD, il faut que je fasse la miniature de la VOD, que je check un petit peu les stats du live et tout. Donc en fait, moi en général le stream s'arrête à 23h, mais moi je termine vraiment vers 23h30, 23h45. Donc je mangerai mon meilleur plat de pâtes à minuit devant une petite série. Ça va et toi? Ben moi ça va super, ça va super. Je sais pas si c'est jouable de le finir en 26-27 heures en facile Hogwarts en se concentrant sur les quêtes principales. Alors moi je l'ai pas fait en facile, je l'ai fait en normal. En normal en me concentrant sur les quêtes principales, je l'ai fait en 26-27 heures par là. J'en suis par là à peu près. Salut Private Eyes, bon matin. Ben bon matin à toi, nous c'est le soir mais bon matin à toi. Je suis enfin en vacances. Ah c'est bon ça Letty, t'es en vacances combien de temps là? Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. La famille, je viens de vivre une expérience de malade. Je suis passé sur M6 pour les 20 ans de la nouvelle star. Vous avez tous allumé la télé. C'était merveilleux. Mais tu étais dans le public, Reda, donc on peut pas te voir. Est-ce qu'on t'a vu dans le public au moins? Parce que là, t'es passé sur M6, mais t'étais dans le public. Est-ce qu'on t'a vu à la télé? Oh, t'es vraiment un vrai toi. Moi, je fais pareil. Les pâtes à 2h. Ah bah ouais, non, mais les pâtes la nuit. Mais c'est pépite. Enfin, c'est pépite. Moi, je les pâtes la nuit, mais c'est voilà, je me retiens parce que sinon je ferais 200 kilos parce que voilà. Mais je me retiens. Et là, c'est pour ça. Là, j'avais un peu de taf et vu l'heure, 19h20, j'avais pas fini mon taf. Je me suis dit, je vais pas avoir le temps de me faire à bouffer, de manger. Tant pis, je mangerai après. Et là, je sais que je vais passer ma meilleure nuit. Hein. Et les pâtes, oui, les pâtes, c'est mon alimentation principale. Les pâtes, franchement, faisons 200 kilos ensemble, Chris. Bah allez, let's go, let's go, tous des Wally. Pour ceux qui ont la référence, qu'on vit Wally, hein, parce que la planète est abandonnée, après les humains deviennent tous gros, etc., etc., suite à la surconsommation, machin, machin. Du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Ça fait 34 ans que je suis greffé du foie. Ah oui, tu m'as dit, Attila, incroyable, incroyable. Alors désolé, vous m'envoyez beaucoup de messages sur Instagram et tout, et je réponds pas forcément en ce moment. Je lis vos messages, mais je réponds pas, parce que je suis extrêmement pris en ce moment. J'ai beaucoup 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 de taf. J'ai encore énormément de vidéos et d'articles à faire d'ici la sortie du PSVR, etc. Donc c'est pour ça que voilà, je check vos MP, etc. Mais c'est pour ça que je réponds pas nécessairement, parce que c'est entre deux coups de vent. Mais je les lis en tout cas, voilà. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. C'est une grosse période et je prends aussi encore du retard sur Rockstar Mag et tout. Ça me frustre beaucoup, mais voilà. Oui, on m'a vu, je suis tout en haut, il y a le replay qui est dispo. Eh ben nickel, tu m'enverras une capture d'écran. Tu m'enverras une capture d'écran, Reda, comme ça je checkerai, parce que c'est vrai que moi je veux pas te mentir à la nouvelle star, je m'en fous un petit peu. je suis pas du tout client de ces télécrochets, etc. Je suis pas du tout client de télé-réalité, de tout ça, donc voilà. Tu sortiras quand la prochaine vidéo de Rockstar Mag? Dimanche, il y a un vrai ou faux, si j'ai le temps. Et ensuite je vais faire la vidéo tout ce que l'on sait sur GTA 6 la semaine prochaine je pense. Et après il y aura le premier épisode de Rockstar Games sur le premier GTA qui arrivera normalement fin février. Et puis voilà, après je pense que je vais sortir au moins un documentaire en mars sur Tech2. Et en avril il y aura normalement le lancement de Welcome to Liberty City, j'espère.
Ça fait déjà un mois, les amis. Hein. Ça fait déjà un mois que je suis que j'ai terminé le tournage. J'ai terminé le tournage le 17 janvier et on est le 17 février. Je viens de le voir là, un mois. Ça passe trop vite. EBG, tu me fais plaisir là. Bah ouais, les gars, je vous régale. Même si j'ai du taf, vous inquiétez pas, je pense à vous. Hein. Je pense à vous. Bon, les amis, ce soir en tout cas, on est sur Hogwarts. On va passer tranquillement sur le jeu. Ça me manque. Hein. Là, je vous dis, j'ai même pas eu le temps. Et salut, GTA Best qui vient d'arriver. J'ai même pas eu le temps de jouer cette semaine. Et du coup, je vous le dis, ça manque. Hein. La dernière fois que j'ai joué, c'est en stream, lundi soir. Et donc là, je peux vous dire que Hogwarts Legacy me manque, les amis. J'ai hâte. Hop, je vais prendre mon petit casque. Tac, je passe en mode let's play. Est-ce qu'il est allumé? Non. Allume-toi, petit casque. J'ai eu peur, je crois qu'il s'allumait plus. Hop, tac. Et on va aller sur Hogwarts. Il est un petit peu loin, Hogwarts. J'ai eu pas mal de choses à faire cette semaine. Hop là. Et donc voilà. On va passer peut-être en. Je vais mettre mon casque parce que là, j'entends pas mon casque. Voilà, c'est mieux. Voilà qui est mieux. Voilà qui est bien mieux. Qui est bien mieux. Quand tu parles de GTA 6, ça me matrique, je pense, de plus en plus au jeu. Eh ben, pour moi, je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler, je te conseille le duo de sauce pour pâte crème fraîche plus sauce tomate, t'as déjà essayé. Alors je fais ma propre crème. Enfin, je suis vraiment un cuistot des pâtes, hein. Je fais mes propres sauces moi. Je fais une sauce à base de crème fraîche, d'herbe de Provence, sel, poivre et tout, avec un petit peu de râpé et tout, c'est incroyable. Après je fais ma petite sauce au paprika doux. Mais alors ça les gars, pareil, paprika doux, un jaune d'œuf, un peu de crème, tout ça, enfin incroyable. Mais du coup j'ai pas testé crème fraîche plus sauce tomate. Mais je fais beaucoup de choses avec les pâtes. Hein. Pâte basilic, pâte pesto, pesto rosso. Mon dieu, le pesto rosso. Mais qu'est-ce que c'est bon le pesto rosso, les amis. Pâte carbonara, pâte bolognaise. Incroyable. Incroyable, incroyable. Le paprika pour relever les pâtes. Ah, mais ouais, le paprika, c'est incroyable. C'est incroyable. Tac, on va continuer. Hein. Pâte 4 fromages, ça, c'est mort! C'est mort, le fromage c'est dégueulasse, respectez-vous, personne ne mange du fromage les amis. C'est dégueulasse. Alors, ah ça fait plaisir de retrouver Préolard, de retrouver cette musique et tout. On en était où là? Parce que je me rappelle plus du tout. Quête, on a des quêtes à faire. Sur le droit chemin, l'enfant perdu, retrouver Nati à Camp Polar en bas, je sais même pas où c'est, Créasor et tout. L'elfe de maison en détresse, parler à Chic. L'homme derrière les lunes, il vous recommande. Ah ouais, ça c'est le truc. Trouver le second point de repère. Ok, ça on a dit qu'on ferait plus tard. Découvrir le secret. Voilà, ça on saura plus tard aussi. Ça c'est aussi une quête. Utiliser la carte. Voilà, tout ce qui est carte, on fera plus tard. On peut faire Chic. Tac. Niveau recommandé. Retourner voir Garnulf. Bah, s'il faut juste retourner le voir, on va aller le voir. Hein. C'est où? Ah, mais c'est à côté en plus! C'est à côté. Alors, on va commencer par ça. Ça va nous faire un peu des points d'expérience pour nous remettre dans le bain. Yo, Garnuf! Garneuf, j'ai retrouvé. Et salut, Goldren! Bienvenue à toi! Elle va bien? Bienvenue. Elle avait peur. Et vous, ça va? Si je n'avais pas été là, je pense que ces braconniers l'auraient écorché vive. Oh, je n'ose imaginer. Grâce à Merlin, vous l'avez trouvé à temps. J'ai hâte de la ramener. Ah oui, c'est vrai la... qu'il y avait un truc de lune là qui avait été volé. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, j'ai pas lu. Est-ce qu'on s'en bat les coups? On lui raquette du fric? Ouais, c'est un gobelin. Le gobelin, ils ont de l'argent. On va lui racketter du Vous fric. pouvez la récupérer, mais pas gratuitement. Bien sûr. Je paierai n'importe quoi pour la sécurité de ma douce biscuit. Oh, ma petite biscuit. Mon petit vaudelune. Et voici votre... T'as combien d'heures de jeu, là? En stream? C'est mérité. En stream, en stream, en stream... Vous avez vraiment restauré ma confiance envers en les stream... sorciers. Attends, on a fait une semaine complète à 3 heures. Vous avez restauré Ça un fait bon soin 15 heures. De ma confiance envers On doit être à 20 heures là. On doit être à 20 heures de stream. Enfin, à 20 heures même de. À 20 heures de jeu en fait. À 20 heures de jeu. Donc, en tout, on attrape plus de 50 heures. Hein.
Parce que j'ai fait bien 30 heures sur ma partie principale et 20 heures là, donc plus de 50 heures je pense. Donc voilà. C'est trop bon le fromage. Ah là 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 là, moi j'aime pas le fromage. Arrêtez de dire ça parce que les amis vous allez me vexer. Hein. Je déteste le fromage. Un grand merci à ce délire pour m'avoir... Bah ouais, ce délire... Mais bon, il t'a offert un abonnement juste pour tricher quand même. Hein. Bravo. Hein. D'ailleurs, vous avez kiffé le Burger Twitch hier? Hop là. J'espère que vous avez kiffé, c'était trop cool. Hein. C'est trop cool. Tu crois aux ovnis? Mais carrément. Carrément. Après, attention à la définition de ovni. Hein. Si toi, ovni, c'est la soucoupe volante des extraterrestres, ce que l'on voit dans GTA V, je suis pas forcément en train de dire... voilà. Mais forcément que dans l'univers, on n'est pas seul, les amis. Forcément qu'on n'est pas seul. Et après, voilà, attention. Je crois pas forcément aux extraterrestres comme on les voit dans les films et tout. Mais pour moi, on n'est pas seul. C'est impossible. L'univers est bien trop grand. L'univers... Ce serait trop cool de faire... putain, de faire une émission apéro du JV spécial astronomie et tout. Moi, je kiffe ça. Je kiffe ça. Ah, putain, faudrait que... Ah, ça, je vais le noter. Tu penses qu'il cache des choses dans la zone 51? Bon, alors là, par contre, honnêtement... Mon plus grand kiff, ce serait de faire une émission sur l'astronomie et tout avec Alexandre Astier. Ah non, mais alors là, les amis, ce serait mais mon rêve ultime de faire ça. Parce qu'il est tellement passionnant quand il parle de tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement, les amis. Je vous conseille fortement de faire l'exoconférence, qui est le spectacle d'Alexandre Astier, mais qui est un spectacle tourné sur l'humour, mais aussi en étant très sérieux. Et voilà. Et AstronoGeek. Ah, AstronoGeek a kiffé ça aussi? Putain, mais ce serait trop kiffant, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'AstronoGeek, je suis con. Eh oui. Putain, faudrait trop que je fasse. Qu'on organise ça, ce serait affolant. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. La légende raconte que Chris est un reptilien. Oh là, si tu savais tout ce que je suis. Oh, j'avais pas vu la petite... On peut faire un coup de halo mort. Bah non, faut au niveau 2. Putain, va falloir qu'on fasse la quête. La quête pour déverrouiller les Alomora partie 2, partie 3. Hein. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préola. Ah non mais Alain Chabat, Alexandre Astier, Aurel San, c'est clairement mais mon top 3, tu vois, de gens que j'aimerais trop recevoir et tout. Alors si je fais une émission en même temps avec eux, mais je décède. Je suis passé faire un coucou à Kofi. Ah trop bien, mais il est trop bien Kofi. N'hésitez pas à suivre tous les invités. De toute façon, je vous ai dit, hein, les gens que j'invite, c'est des gens que j'apprécie, moi. C'est pas des gens pour qui ont forcément énormément d'abonnés, etc. C'est surtout des gens que j'ai rencontrés ou que j'apprécie leur taf. Ou un peu comme hier soir, il y en a 3-4 en fait que j'ai découvert sur un petit Discord qu'il y a entre streamers. Et c'est des gens qui sont cool, qui sont dans une bonne vibe, donc n'hésitez pas. Allez, mais ouais, Kofi, je le connaissais par contre. Ouais. Kofi, c'est une pépite. Et il a fait masterclass hier. Hein. Masterclass. Hein. Il y a du ray tracing sur le jeu, mais pas là. Moi, je joue uniquement en mode performance. Je préfère le 60 FPS. Mais oui, il y a bien entendu du ray tracing en mode fidélité. Ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune. C'est la maison de Monsieur Beacle ? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Eh ben, let's go. Allons retrouver l'enfant perdu ? Pourquoi a-t-il des... Tout va bien ? Nous cherchons Monsieur Beacle. Mon mari est mort ! Calme-toi ! Il l'a tué ! Oh, je suis désolée, Madame Beacle. Sur le paranormal... Théophilus Arlo, j'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des... Putain, vous me donnez... En fait, vous me donnez trop envie de faire des émissions à thème. Où est mon fils ? Genre des tables rondes avec des invités pour parler paranormal et tout, parler ovni... Il ne doit pas être bien loin. Sur le paranormal, clairement... Archie, ça dépend. À la maison avec son père, il faut que... Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti. Je crois souvent en ce que je vois en fait. Le fait souvent.
J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Ouais, je pense que ça serait cool, je vais le noter ça. Savez-vous dans quelle direction... Je vais le noter dès maintenant, voyez, en live. Il a une petite cachette dans la forêt, hop, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais faire loin. Faire des apéros et spéciaux... Il a vu Arlo s'en prendre à son père. Pour parler... Oh, j'ai peur de partir. De thème. Au cas où il rentrerait à la maison. OVNI, paranormal, etc. Hop là. Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo? Bah mais après, faut aussi arriver à contacter les gens, parce que Jamy, Astronogi, Castier, ça c'est des fantasmes les gars, mais j'ai pas non plus un carnet d'adresses de... Je suis pas Squeezie hein. Amixem, mais je suis pas Squeezie les gars. Je suis pas Squeezie les gars. Pour quelle raison Arlo aurait tué votre mari? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo, et il a découvert une partie de ce qu'il tramait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler, mais il était convaincu. Bon, on va retrouver vous le gamin. Trouver votre fils, Madame Bickel. Merci. Déjà le gamin, il aurait dû être, il devrait être à l'école là, plutôt que hein. C'est quoi ce bordel? Tu pleures même pas. On sait que c'est pour la CAF et que tu voulais pas ton gamin. C'est horrible ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Allô, Mora. Pub? De quoi pub? De quoi pub? Qu'est-ce qu'il y a pub? Réveillio. Ok. C'est pas foufou là ce qu'il y a ici. Il y a notre coffre non? Ah oui là. Ok, portrait flottant. Ok, ouais bon. Un petit peu déçu quand même, j'attendais à mieux. Hop, 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 hop. On va revendre directement la cape qu'on a gagnée hein, parce que ça va pas nous servir à grand chose. On va te vendre des trucs, mon pote. Ah, on a 3000 là, on commence à monter. 3002, voilà, nickel. 3002. Et donc là, du coup, trouver la cachette d'Archie. Ah, oui, c'est vrai que lui. Putain, je suis en train de faire un gros détour alors qu'il est à côté là, truc. Waouh, Nati elle pète un plomb. Eh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle pète un plomb. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Mais elle est quand même dans ma bouche cette meuf. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh putain, elle bug et je suis couche pour rien faire. Qu'est-ce que c'est ce maléfice? Je peux même pas lui parler, je peux rien faire. Waouh. Mais elle est... Mais calme-toi! Mais... C'est quoi ce bordel? Bon bah... Bah... On va peut-être relancer le jeu au dernier point de... On reviendra du coup. Mais ouais, mais du coup, terminons, abandonner la quête... Bah, abandonner, oui. Bah bravo Nati, hein. Te voilà. On va essayer de la refaire quand même. C'est la maison. Du coup, on va passer un petit peu, parce qu'on s'en bat les couilles, on a déjà vu. Mon mari. Allez, on s'en fout. Votre fils va bien. On va le retrouver. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Madame Bickel. Nous vous ramènerons Archie. Vas-y, calme-toi et voilà, c'est bon. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickel. Il s'employait à la même chose que nous, fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Arlo. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais il était trop tard. On dirait que j'ai une veste de Gryffondor, moi. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu Je suis vraiment dans le déni d'être pouf souffle et je porte même les vêtements Mais de Gryffondor. Il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux.
Quel dommage c'est que l'hippogriffe ne puisse pas parler. Elle petit... pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Arlo. Il nous faut autre chose. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ce doit être la cachette liée au petit Archie. Celle dont parlait Madame Beagle. Ouais, enfin, c'est pas trop une cachette quand même. Hein. Ah, des c'est gants Beagle. Non mais l'autre, elle gueule son nom. Non mais vas-y, non mais... Hop. Ah, on gagne 4 en défense, mais... Enfin, en attaque, mon père... Ouais, comme ça, on est un peu plus équilibré. Par contre, on va changer ça, l'esthétique. C'est pas beau. Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Revelio est venu le trouver ici. Revelio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Mais le petit Archie est énervé quand même, hein. Là, les empreintes d'Archie. Alors, let's go. On va retrouver le petit Archie bouffé par un troll. Nous aurions déjà retrouvé Archie. À mon avis, il a continué de courir s'il était suivi. Si c'est Arlo qui est à ses trousses, j'espère que tu as raison. Ah, c'est quelqu'un là. Comme Tiens, Arlo j'avais perdu. N'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie et vite. Tac, tac, tac. Ah. Des loups. Mais en fait, c'est pas un troll, mais c'est un loup qui va bouffer. Oh, l'autre, elle s'énerve déjà là-haut. Oh. Wow! What? What? Faut clipper ça les gars. Il est parti où le loup? What? Le loup il s'est pris 200 d'un coup. Le loup il est sur la lune. What the fuck? Tu l'entends encore hurler. Il est en train de léviter autour de la planète, là, il est dans l'atmosphère, le loup, il comprend plus rien. Revelio. Incroyable. La sacoche d'Archie? Pourquoi l'abandonner ainsi? Mais c'est pas maman, c'est pas moi, c'est Nati. Nati, elle lui a fait un Expelliarmus et... Incroyable. C'était bien drôle. En tout cas, ça commence fort entre Nati qui bug et le loup qui se fait catapulter sur orbite. Ça annonce bien là. J'ai un mauvais pressentiment. Arlo doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. De quoi Archie a été témoin? J'espère qu'il n'a pas vu Arlo tuer son père. Il ne s'en remettrait jamais. Je ne vois pas du tout comment il... Oh, des biches. Coucou les biches. Un embranchement. On doit encore se servir de Revelio. Il y a plusieurs empreintes de pas. Oh, Arlo l'a rattrapé ici. Là-bas, il y a des ennemis. Ça. Ils sont partis par là. Ça va le faire. On est dans le monde des sorciers. Ils ont pas tué un gamin quand même. Des sombrales. Oh, il est en train de dormir. Des sombrales. Oui, bah c'est ce que je viens de dire, merci. Magnifique. Toi aussi, tu peux voir les sombrales? J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. Mais de rien, merci à toi, Younes. Merci à toi pour le partage. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est si triste que tu aies eu à quoi si jeune. Bonati, tu te bouges le cul, là. Oh là là. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. Ça s'est passé il y a longtemps, mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. Je le vois encore si clairement. Il doit te manquer.
Mon père était un homme merveilleux. Je... Continuons d'avancer. Il y a un gamin qui s'est fait enlever, hein, donc c'est pas que ton histoire m'intéresse pas, mais on est peut-être en urgence, là. C'est le moment de faire montrer mes skills. Quoi? J'ai fait un truc. Bon, elle m'emmerde avec son pétrificus totacus. Voilà. Voilà. M'emmerde avec son pétrificus là. Je te pétrificusier la gueule moi. J'ai un peu galéré mais vous avez compris. Hein. Est-ce qu'on a tout fait là? Ah, il y a un truc de Merlin là. On va faire ça. Est-ce que pour aider, c'est le meilleur. Le meilleur graphiquement par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le meilleur jeu Rockstar graphiquement? C'est quoi ça? Tiré par où? Non. Peut-être. Confingo, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réparo. Levioso. Confingo. Faire quoi avec ça là? Ah voilà. Je sais pas trop pourquoi je détruis tout ça moi mais voilà, pourquoi on a fait tout ça en fait? J'ai fait tout ça pour rien en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Le Wingardium Leviosa peut-être? Merde. Wingardium Leviosa. Ah oui, Wingardium Leviosa. Oui, et ensuite. Ok. Je comprends pas grand chose là. Ah, est-ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faut que je fasse à tous par exemple? Genre lui. Ensuite. Non, je suis trop loin là. Non, c'est pas ça. Putain, je comprends pas du tout. Ça me stresse, j'aime pas ne pas comprendre. J'aime pas ne pas comprendre. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un répulso, je vois pas trop pourquoi il y aurait répulso, mais. Flipendo. Putain, je suis en train de tester là, je sais pas du tout. Ah! Ah! Ok, mais du coup. Ah, mais d'accord, c'est bon, j'ai compris. Voilà! C'est bon. Putain, les défis à la con de Merlin, quoi. Ah,
qu'est-ce que... Pourquoi il fait ce bruit-là, lui? Ok, attends, peut-être que c'est pas le bon. Ah oui, peut-être que c'est pas le bon. Ah, voilà, ok, ça fait deux. Sacré Merlin, putain, t'as raison. Sous de ma gueule lui ou quoi? Tu te fous de ma gueule toi? On va peut-être faire un petit coup de... Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est quoi ce bordel? C'est encore un bug ou quoi? Ah bah voilà, ok. Bon. Pas cher à comprendre. Ah, parlez pas de raclette hein. Mais j'aime pas... Le seul fromage que j'aime, c'est l'emmental. L'emmental et le parmesan, ça passe. La mozzarella, parce que ça a pas de goût. Le kiri, parce que c'est pas vraiment du fromage. Voilà. Mais sinon, la raclette, c'est immonde. C'est immonde, la raclette. Du coup, quand je fais des soirées avec les potes, je fais raclette à l'emmental. Attendez pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ah oui, quand même. Ça complique un peu les choses. On va tout remettre mes sorts là parce que on va mettre celui-là. On va peut-être mettre un petit coup là de... Voilà. Je quitte ce stream. Et ouais, je n'aime pas le... Je n'aime pas... Je n'aime pas le fromage les amis, c'est comme ça. What? J'ai partagé tous les contenus sur la verse et ton live. Merci moi Attila, t'es au top. Waouh! Oh là, c'est comme elle m'a... La loyale, qu'est-ce que tu racontes? N'est pas le seum. Oh, ça y est, va recommencer elle. Ouais, attends. Voilà. Comment on les démonte? Ça me gêne de leur faire autant mal, hein, je vous le dis. Hein. Je vois que ça fait 5 jours que j'ai pas joué, mais j'ai pas perdu le coup de main, le coup de baguette, je dirais même. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Bien sûr qu'il y a des choses à récupérer. Tac. Oh, là-bas, j'ai oublié aussi, regardez.
Là, il y a un bon sac à récupérer avec bon des gants qui servent à rien. Là, il y a quoi là? Tout ça, les gardiens là. Oh, mais il y a un étage en dessous, j'avais pas vu. Regardez, un petit coffre avec avec un pyjama, c'est génial. Et là, je peux plus la passer, faut remonter. En parlant de chien, le tien va bien, Chris, mais incroyable. Moi, je vous dis, hein, Isco, il vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie. Tant que lui, il a ses croquettes tous les soirs et qu'il a son panier pour dormir toute la journée, il est au top du top. Hein. Oh, mais tu t'énerves, elle casse tout, là. Non, rien oublié, c'est bon. Ah si, on peut aller là-haut. Est-ce qu'il y a des trucs là-haut? Oh mais attends, c'est bon, on va venir te sauver. Oh, t'es pas à 5 minutes près là. Ils sont chiants ces gosses. Après, on s'étonne qu'ils se font enlever ces gosses. T'as l'autre à casse tout encore. Oh là là, le relou. Bon, comment on fait pour descendre là, parce que l'autre va nous faire tout un foin là. Oui oui bah arrête, c'est bon, t'es pas à bord de la mort non plus hein. Tu peux attendre, je vole tout ce qu'il y a à voler et après je m'occupe de toi. Archie, Archie Beagle. Bah non mais l'autre Archie Beagle, mais tu crois qu'il y a plusieurs Archie? Oh là là, mais faites un effort. Désolé. Bon, de toute façon, on a explosé tout le monde, donc je pense que. Allô, Mora. Il est tout le temps, il est boulimique. Ah non, moi, Isco, il est pas boulimique. Hein. Il a une bonne musculature, c'est un bon gros. Bon, ça reste un pépère, hein, surtout avec l'âge. Hein. Il a déjà 6 ans, le pauvre. Hein. Un certain Arlo. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça, mais on doit d'abord te ramener Isco auprès de ta mère. Merci. Il s'appelle Isco. Sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Isco est un bulldog. Je vous mettrai une photo de lui sur Insta là, dans les prochains jours, comme ça ceux qui l'ont pas vu. Même si sur mon Insta il y a déjà des photos de lui. Hein. Oh, y a, on a transplané jusqu'ici, c'est trop bien. Maman, oh maman, les amis de papa sont en danger. J'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Reib, Monsieur Philbert, et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Oh. Otto, le chauffeur de bus dans les Simpsons. Lol. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Arlo. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est déjà le cas, hein? C'est un peu tard pour ça. Arlo en a déjà après nous, malheureusement. Alors ne l'énervez pas davantage. Je vous assure que cela pourrait être bien pire. Gardez vos distances, je vous en supplie. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Beagle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Merci à toi, Lianqi, d'être passé. À bientôt. Pas d'inquiétude, Madame Beagle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Beagle et sur ce que leur veut Arlo. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Fais ta vie. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Fais ta vie, moi je vais re... Ah putain, mais du coup ça n'a pas marché comme ça, la Allô, quête avait bugué. Faut que je recambriole les gens, ça c'est vraiment... Ça c'est dommage hein. Hop là. Putain, mais du coup j'avais gagné des... Ah non, j'avais revendu parce que c'était nul ce que j'avais looté. Peut-être que je vais looter autre chose hein. Ok, bon.
Ok, et là... Ok, bon, c'est tout aussi pas terrible. On va aller vendre tout ça directement. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? On va te vendre des trucs. En boutique? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je vais te vendre ça. Oh putain, trop... Ah non, c'est vrai que j'ai gagné des trucs. J'ai cru que ça avait marché... Que j'avais pas récupéré le loot de tout à l'heure, mais que j'avais quand même récupéré l'argent quand je l'ai vendu. Bon allez, on va le vendre ça aussi. J'ai la flemme d'aller dans l'ascenseur de monde. Mais pas vous qui avez chassé. J'espère vous revoir bientôt. Hop. Avant de partir, on va aller faire une quête parce qu'il y a une quête ici à faire et qui est assez rapide. Assez rapide, assez simple. Comme ça, on montera au niveau 23 tranquillement. Hop, c'est avec cette personne là. Ah, t'es une serpentard, mais j'accepte. Salut, je peux t'aider? Oh, juste au ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, t'es Pinch Smedley de basse. J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique? Dis-moi en plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? Ah, bah, Rolianki! Rebonjour. Oui, on peut nager, Younes. C'est trop cool. On a supposé qu'il s'était noyé. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Bah, allez, go. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Mais je m'en fous de ta reconnaissance. Tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de la table. Ah. Et bien sûr, ceci te reviendrait. Bah encore. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il Mais avec grand plaisir. À environ 200 mètres du quai. Iliane. Ce serait vraiment incroyable. Avec si grand je plaisir. C'est normal. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représente Grace. Merde. Non, qu'est-ce que j'ai fait? L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Ouais, super. Allez, Ellie, nage! Vous ne pouvez pas porter plus de potions, ouais. Je devrais dire à Grace que j'ai retrouvé l'astrolabe de sa... Ah, mais ça y est, j'ai trouvé! Ah bah, nickel! C'était vraiment rapide, cette fois. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Bien sûr que non, je suis un athlète. Salut, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Oui. Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oh, oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un ça va. D'aussi doué que toi trouvera dans, à coup sûr. Dans ma partie privée, j'ai fait cette quête en hiver. En plein hiver, quand il neige, merci encore. Je suis allé plonger dans le lac. J'espère que tu continueras à plonger. Salut à toi, agent Cobalt. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Bienvenue. Waouh, super, on a gagné un masque de sirène. Quoi, je suis même pas passé au niveau 23. C'est quoi cette arnaque? Du coup, on en est où au niveau des quêtes, là, tout ça, là?
Hop. Ah oui, avant. On va aller voir Sébastien Palot. Qui est devant la salle commune des Serpentards. Hop là. Là, on va commencer à devenir un peu du côté dark side. Je vais juste en profiter pour... Ah non, je peux passer au-dessus. Te voilà. Fantastique. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé avec Ominis? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement. Alors, plus on en sait sur Salazar Serpentard et la magie noire, mieux on sera préparé. Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium. Il y a deux maisons de Hagrid dans le jeu. Ah bon? Peut-être que je devrais parler à Ominis. Toi? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions. C'est quoi ce mépris là? Ominis est très têtu. Il l'a toujours été. Je sais où il est. Je vais t'y emmener, puis je vous laisserai. Allons-y. Calme-toi, Palo. Sois encore une fois désobligeant comme ça et ça va chier. Hein. Garde l'œil ouvert. On ne sait jamais qui nous observe. Bien que cela. Ouais, tu te détends, Sébastien. En réalité. C'est pas qui je suis, moi. On s'est fait prendre. Fichu esprit frappeur. Il est vraiment pénible. C'est quand même trop bien. La musique, le château et tout. Enfin, c'est trop, trop bien. Le voilà. Bonne chance. Allez, let's go. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Ominis. Tu as un instant? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien? Je te dois des excuses, Ominis. Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte. Sébastien me l'a montré. Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité pour attraper les autres élèves de 5e année. Il ne pensait pas à mal. Ça se tient, j'imagine. C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment et je suis en colère contre lui. Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... Bien sûr, Ilian, bien sûr que c'est pas parce aussi beau que Red Dead. Oui, nous mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on peut pas comparer. Il a abordé le sujet, mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus. On peut pas comparer Hogwarts Legacy avec les jeux Rockstar. Je pense qu'il est surtout plein de magie noire et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher. Je recommence le jeu pour voir s'il y a plusieurs tu fins. Il n'y a pas plusieurs fins. Bien sûr que non. T'as juste une quête exclusive à chaque maison. C'est tout. Elle et moi, on pensait pareil. Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire. D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur. Elle avait entendu parler de ce scriptorium. Imaginez, gars, Chris Rock, PDG de Rockstar. Sur lui. Eh ben, putain. Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir. Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder. Et puis elle a disparu. Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer. Je compatis pour ta tante. Tu n'aimerais pas comprendre ce qui lui est arrivé? Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions. Et ça lui a coûté la vie. Je ne veux pas que ça se reproduise. L'histoire ne se répétera pas forcément. Et puis, tu as dit que ta tante et toi partagiez les mêmes idéaux. Tu pourrais peut-être lui rendre hommage. Obtenir des réponses au sujet de Serpentard. Et aider Sébastien non, à trouver pas. Des réponses. Il n'y aurait pas GTA 5 sur PS, ça ta tante dit, était mais... seule. Nous sommes trois. Je vois sûrement où tu veux pas. En venir. Et je dois bien l'avouer, tu m'as convaincu. Je ne pensais pas ça possible. Très bien, je vais vous dire ce que je sais. Va chercher Sébastien, je vous attends ici. Il n'est pas compliqué à convaincre le petit. Hein. Je ne vais pas le regretter. Ouvrir la porte. Sébastien, par ici. Ses bras zéro. C'est maintenant que tu te décides à parler? Tu ne voulais rien me dire. Sébastien, j'ai failli t'éclater la gueule. Ce n'est pas toi qui m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre 3. Eh bien, trois têtes valent mieux qu'une. Putain, mais ça déconne. Non, c'est deux têtes, pas trois. Et en suivant ta logique, trois têtes valent mieux que deux. Ce sont les bases de mathématiques. Eh ben. Ça passe quelque chose. J'espère qu'on sera à la hauteur. Les amis, on s'enfonce du côté de chez Serpentard, là.
On s'en va vers la crypte de Salazar Serpentard. Ils sont partis où là? Ils sont rentrés. Ah. Réparo. Rabat ont formé une sculpture d'une personne qui affronte un serpent. C'est sûrement ça la voix que j'entends. Ah, le fourche-langue. La voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. Bravo, Valange, pour ce beau jeu. Ouais, franchement, bravo. Je parle. Je parle fourche-langue. Je comprends les serpents et je peux leur répondre. Presque tous les fourche-langues sont des descendants de Salazar Serpentard. J'aimerais bien pouvoir parler aux serpents. Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourche-langue. C'est souvent associé au mage noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourche-langue. Mais je suis sûr que si je le fais, la porte s'ouvrira. J'espérais que tu avais changé d'avis. Pas du tout. Nous n'avons aucune raison d'arrêter maintenant. Quelle ironie. Quand j'ai quitté la maison, j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire. Et pourtant, je suis là. Recule. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Ça a marché? Aïe, 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 aïe. Tu possèdes une capacité rare. Et vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Peu importe. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Salazar Serpentard voulait sûrement que ce soit difficile. La porte par laquelle nous sommes passés est fermée. D'autres portes. Putain, faut que je fasse un lumos, mais j'ai la flemme là. Y a personne qui peut allumer. Là, y a une lampe. Y a pas ailleurs des lampes? Non, forcément. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi Hop là. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté. Pauvre tante Noctua. Le cadran exige de la concentration. Et tante Noctua a dit la même chose. On peut sûrement s'entraîner un peu avant. Ah super. Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche. Mais je comprends pas parce que c'est déjà le... Ça a l'air très compliqué, non? Tu as l'air surpris. J'ai rien compris. Alors que nous sommes dans un labyrinthe conçu. Bah, j'ai pas galéré comme ça, c'est déjà... Sur le cadran. Commence à me péter les couilles. Ah mais attends, j'ai compris. Il est où mon Lumos? Lumos. Là on cherche. Eh oui, mais oui que je suis bête. Là on cherche à ouvrir celui-là. Donc là il faut qu'il y ait un serpent en bas et un rond en haut. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Ça doit être de famille. Un serpent. Regarde-toi dans une glace, Sébastien. Voilà. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais on a devancé. Beau travail. Hop là. Revelio. Lumos. Confringo. Ah oui, mais là, faut trouver la porte. Ominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui. Lumos. Et c'est pour cette raison que je l'adorais. Là, il y a une porte ici où il y a... Attends, mais du coup, c'est quelle porte, ça?
ouvrir celle-là. Celle-là, on va dire que il faut un carré en bas et c'est quoi en haut? C'est un taureau, un chat, un truc comme ça. Là et en haut, on a dit c'était ça. Non, mais si. En plus difficile, mais on a bien progressé. N'abandonne pas. Bah, je suis quand même pas fou. J'imagine que la vitesse et les symboles varient pour chaque cadran. Là, c'est surtout que. C'est surtout que ça doit pas être celui-là. Ça doit être celui-là, du coup. Ça doit être une autre porte. Genre là. Le carré en bas. Voilà. Le carré et en haut l'espèce de chat. Ah non! Ouh! De justesse! C'est prometteur. Ah, ça m'a enlevé ma vie quand même! Un cadran résolu. Bâtard! Impressionnant. Excellent travail. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Douloureux, c'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, et c'est. Donc là, il y a le poisson en haut et la montagne en bas. Poisson en haut, 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 montagne en bas. Poisson. Montagne en bas et le poisson en haut. Hop! Quoi? Ouf! C'était pas la bonne montagne. Mornier. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. C'est où la sortie? Les gars, on parle pas de GTA et de Rockstar là. On n'est pas sur un live Rockstar GTA, donc Rockstar et GTA c'est sur Rockstar Mag. Naughty Dog et tout c'est sur Naughty Dog Mag. Sur ma chaîne et mes streams. Si on ne stream pas et qu'on parle, on ne parle pas de GTA, s'il vous plaît. Voilà, on respecte cela, s'il vous plaît. Hop, on reste dans le thème et tout, et voilà. Je vois quelque chose là-bas. Tac. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour ma tante. Ouais, bon bah. La porte. Gigo, vraiment bonne soirée, bon live, merci pour ton bon bonus. À bientôt Kylian, merci à toi d'être passé, à très vite. On n'a donc pas fini avec nous. Trouver un moyen de franchir la porte. Ah bah super. Ominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. Ah. C'est ici. Bah, c'est ta tante. Elle est là. Et c'est ici que nous mourrons. Coucou Tati. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis, je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Tu as dit que tu savais quoi faire? Des visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Le sort impardonnable. On n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander? Il a l'air d'être en colère contre toi. Je lui parlerai. Bien. Use de ta magie. Pour ainsi dire. Bon. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Tout cela aurait pu être évité. Ominis, je ne pensais pas qu'on finirait dans cette impasse. Salazar Serpentard y avait pensé. L'un des fameux sorts, il y en a trois. De choses impardonnables. Il y a trois sorts impardonnables. Je vous ai entendu avec Sébastien, et je refuse de le faire. Le sortilège Doloris, c'est de la torture, et j'en sais quelque chose. Sébastien m'a raconté ce qui s'est passé quand tu étais enfant. Tu n'avais pas d'autre choix. J'aurais dû les gens qui sont pas ouverts d'esprit, ceux qui jugent, et on a toujours ceux qui le vont choix. Être condescendants, qui vont juger, qui sont pas ouverts d'esprit, de ceux qui me prennent pour un con, les sortilèges impardonnables ne fonctionnent que si on le veut vraiment.
La douleur que j'ai infligée était volontaire. Et je ne me le pardonnerai jamais. C'est à cause de ce sortilège que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. Oh là là. Si tu meurs sans Doloris, tu le regretteras toute ta vie. Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici. Je suis 1m74. C'est un fichu sort. Je suis pas très grand. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. C'est moi qui vais le faire. Je veux apprendre le sortilège. Il vaut mieux que je le fasse sur toi. Très bien. Si c'est ce que tu veux. Pour lancer le sort, lève ta baguette, pointe-la sur moi et dis fermement en Doloris. Tiens aussi longtemps que possible. Tu es prêt? Je suis prêt. C'est lui ou moi. Hein. Est-ce que ça va? Cette douleur. Hop. Cesse. Mais je m'en vais. Continuons d'avancer. On a réussi. On a trouvé le scriptorium de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Sébastien, Ominis, il y a un livre juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer les environs. Là, cette lettre, elle est incroyable, les amis. Cette lettre, elle est incroyable. Je crains que nous ne parvenions jamais à un accord. J'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espère que l'opinion de Godric, alors Godric Gryffondor, bien sûr, serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité, mais il s'est mis à croire à la théorie ridicule que voudrait que les Némoldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis las de ce conflit et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorciers et des sorcières. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé, dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. C'est clairement la lettre de Salazar Serpentard qui annonce qu'il a placé le basilic dans la chambre des secrets. C'est incroyable. Trop bien ce... Allez, on va boire une petite chope qui est là depuis des milliers d'années. Hop, comme ça on va choper une bonne colique. Qu'en penses-tu? On dirait une sorte de livre de sang. Et non, pas de système de karma malheureusement. Et salut Hugo, à un fondateur. Bienvenue à toi. Quel honneur. Pourquoi Ominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tante et de sa découverte? Que vas-tu faire du livre de sort de Serpentard? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. Oh, c'est époustouflant. Salut Kyo. Ah, j'ai pas vu les ventes de Hogwarts. Je mais c'était sûr. Je dois une fière chandelle à tous les deux. C'était sûr. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Oh là là, mais Carabajois celui-là. Jamais faire une chose pareille. Comment ça va, Kyo?
Allez, on va quitter le cachot des Serpentards. Et on a appris notre premier sort impardonnable. Chris a réussi à rester un enfant tout un temps adulte. Ouais, je sais pas trop. J'espère, enfin je sais pas. Je pense que je resterai comme ça tout au long de ma vie. Au sujet de ta tante. Révélio. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter. Ah, on peut pas le lancer comme ça. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Ominis. Courage, Kyo. Après tout ce courage. Qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Et salut Xerox, bienvenue à toi. Let's go. Alors, à faire, parce qu'on a un nouveau talent du coup. Non, pas la collection, le talent on a dit. Hop. En talent, on va prendre quoi? On va prendre un truc de magie noire. Il y a quoi là? Battre un ennemi maudit vous restaure un peu votre santé. Toucher un ennemi maudit par Andoloris projette. Ah ouais, on va faire ça. Comme on a Andoloris, on va prendre tout ce qui touche Andoloris. On va devenir un mage noir, hein, je vous le dis. Hein. Comment? Bah, ça va super bien, et toi, Xerox? Alors. Je t'ai niqué. Hop. Tac. Et là, du coup, au niveau des quêtes, on va aller faire la quête principale maintenant. Voilà. Quête principale qu'on retrouve. Ah oui, dans la salle sur demande. Dans la salle sur demande. Hop. Ah, mais c'est la deuxième épreuve. C'est une quête très intéressante là. C'est très cool. Vous allez voir. C'est très cool. Feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Tu as déjà pleuré devant un jeu? Jamais. Mais ça a vraiment failli. Avec les deux The Last of Us. J'avoue que j'avais le... Qu'avez-vous appris? Le truc serré là, mode. Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Allez, oui. Moi, je dis oui. Je pense que oui. Il avait l'air sincère. Et si Rona Ryan lui fait confiance? T'es toujours attaché à CD... Bah, j'ai jamais été trop attaché à CD Projekt, hein, donc... Aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera... Non, ça viendra pas, je pense pas, non. Ranrock recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rookwood? Mon ancienne résidence, oui. C'est beau. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. T'as défoncé le casque VR2? Ça dépend de je quel côté tu veux dire défoncé. Victor Rookwood, votre descendant, est si c'est défoncé en mode tu lui as mis plein d'heures dans la tête, oui. Mon descendant. Et si c'est défoncé du genre t'as explosé ton casque, oui. Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rookwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Eh ben, let's go. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rookwood. Il est où le château de Rookwood là? Ah mais c'est ça la quête, 3 cinématiques. Ça va hein. Bon du coup j'ai pas gagné d'expérience. Quête. Suivre les papillons. Ah ouais d'accord. Il est où le château de Rookwood? Je vais sortir de là.
en mode tac. Je vais aller ici. Salut Chris, je dois partir, je repasserai. Bah, avec grand plaisir, j'étais à baisse. Nous on est là jusqu'à 23h donc n'hésite pas. Nouvelle quête disponible. Quête. Et donc là il faut aller au château de Rockwood. Et c'est où le château de Rockwood? C'est... Ah oui, c'est loin quand même. Hop là. Petit voyage rapide qui fait bien plaisir. Ah, peut-être à tout à l'heure, du coup j'étais à Best. Comme un agneau à l'abattoir. What? What? Ah 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 ah. Hop là. Par ici. Par ici. Le mec coincé dans les... caché dans les hautes herbes. Ça fait un peu bizarre un papy qui se cache derrière les fouilles. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Ok, d'accord. Faisons comme ça. Vas-y. Moi, je vais passer par là. Ah, mais... Hop là. Est-ce qu'il y a un petit truc à récupérer par là? Non? Décevant. Décevant, décevant. Chelou le papy, on est d'accord hein. Professeur là Quel âge. Qui peut m'empêcher la révolte de Ranrock? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Faut désarmer un ennemi, du coup je prends un petit coup de Expelliarmus. Et voilà. Là, il faut trouver un moyen de monter, c'est ça. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord.
Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Il est chaud Passepartout, hein. Il est chaud. Lui, il se fait un peu bully quand même, hein. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrok est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Oh là là! Voilà, allez, prends ça dans la gueule. On va mettre un petit tac. Wow, what? Allez! Il nous regarde toujours notre Chris, bah merci, j'aime trop regarder Rétur égale Chris, bah merci à tous, ça fait trop plaisir, je suis content, tant mieux si vous passez un bon moment les amis, tant mieux, hop. Tac, c'est le moment de tout voler, bien entendu. Je te laisse Chris, bonne soirée, bah merci à toi Xerox, à bientôt, merci d'être passé sur le live. Hop, le petit coffre ici pour récupérer un objet non identifié. Et voilà, on parlait des ovnis. Rébellion. Hop là. Tac. Alors vraiment, tu sais... Mais je sais mon Attila, merci beaucoup, vous me faites trop plaisir. Vous êtes adorables. Et c'est pour ça aussi que je suis en live tous les soirs, hein, parce que du coup, bah, moi j'aime bien être avec vous, j'aime bien passer avec la communauté, il y a une communauté incroyable. Et du coup, bah, c'est pour ça que voilà, on est là. Rébellion. Oh yes, carrément The Lich King, on est ici pour kiffer. Ah.
J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Action. Hop là. Ces symboles sur les murs ont-ils une signification? Allez papy, on y va là. Moi j'ai déjà fait là. Putain, le papy il est lent. Hein. La cave de Rockwood. Des traces de gobelins. Réveillons. Un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. Un peu d'avance. Pas mal d'avance quand même. Hein. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrock. Ça rigole pas quand même. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est ce portrait? Réveillons. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Où qu'il est? Ah. Hop là. Professeur Rockwood. Les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château. Pense plus à toi, mon Chris. Oh, mais je pense à moi, t'inquiète. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrock a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Eh ben, let's go! Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrock, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Allez. Dégage, fille. Eh ben, salut, hein. Je me joindrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle de l'honneur. Ouais, ouais. Eh ben, c'est parti pour la deuxième épreuve, les amis. Deuxième épreuve sur quatre. On en est pratiquement à la moitié du jeu, du coup. Ouais, comme c'est beau là, ces reflets par terre sur ce marbre et tout. Réveillio. Chris, parfait ta vidéo, tu es un journaliste professionnel pour ton domaine, pour marcher le mire, le professionnalisme, moi c'est dans la finance. Ben, un grand merci à toi Hugo. La finance, par contre, j'y connais absolument rien. Mais du coup, merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir. J'essaie de l'être le plus possible. Hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et très heureux, du coup, si, bah, si les vidéos vous plaisent, etc. C'est fait pour. C'est le but. Action. Wingardium Leviosa. Tac. Ah non, merde. Voilà. Du coup, ça va me permettre de faire. Ah bah non, je dois pas faire ça. Ah, attendez. Ça veut dire que. Non plus. Wingardium Leviosa. Faire tac. Voilà. C'est toujours juste. Alors toujours je ne sais pas, mais j'essaie de l'être le plus possible en tout cas. Après, est-ce que je suis toujours juste?
Ça, je n'aurais pas la prétention de le dire. Hop là. Oula. Ça va castagner les gars. Juste et franc. Alors ça oui, ça par contre franc. Ça sur ça. Est-ce qu'on peut lui faire un Andoloris à lui? Tiens, je tente Andoloris la gueule. Tiens. Et voilà. Par contre j'aurais peut-être... Ah. C'est comme ça que ça marche. Il répond à ses abos, c'est bon. Ah bah ça c'est ça par contre c'est extrêmement normal. Pour moi c'est même la moindre des choses. On est obligé, enfin pour moi en tout cas, après je peux comprendre que certains créateurs de contenu ne le fassent pas. Mais pour moi c'est totalement normal de répondre aux abonnés. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais comment? Action. Ah, c'est pour fouiller, hop. J'ai toujours dit... Ah, vous êtes en train de me passer la crème, les amis, vous me faites rougir, vous me faites rougir. Il y a un pilier ici, mais aucun rebord auquel m'accrocher. Non, c'est pas comme ça. Oula! Oula, 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 oula! Et voilà. Du coup, on disait que... Ah oui, là du coup on a ça. Est-ce que je vais pouvoir y arriver là? Et ouais, là c'est pas possible. Action. Wingardium Leviosa.
Ah oui, non, c'est pas possible. Allez! Ok. Ok. Comme ça. Et... ok, alors là c'est en train de me faire mais complètement bugger le cerveau. Ah, forcément il n'y a pas de plateforme. Waouh, mon cerveau il est en ébullition là. Pourtant j'avais pas trop galéré. Pourtant j'ai passé l'épreuve dans ma partie solo mais en 2 secondes. Et là je suis en train mais de bugger littéralement. Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche ? Ouais, mais si je tire un des blocs. Wingardium Leviosa. Ah, d'accord, je crois avoir compris. Tac. Et là. Merde. Et là, tac. Tac. Hop, et là du coup, voilà. Bah c'était compliqué là. Là mon cerveau il est prêt à exploser. Voilà. Ok. Ah oui là du coup. Il est aussi beau que bon. Là c'est trop les amis, je vais rougir. C'est très perturbant ces escaliers. Hop. Oula, là ça va péter là. Confingo. Revelio. Oh non, j'étais pas dans la zone, c'est de l'arnaque. C'était de l'arnaque là. Je veux pas dire. Oh non, et en plus je me suis fait une voler. Y a pas un autre truc à faire là? Non, faut directement y aller. Connu à le faire rougir. Putain, mais The Lich King il veut juste me mettre dans l'embarras à chaque fois. Hop. Les amis, c'est l'heure de la battle, du duel. Et après, je vais devoir jouer en étant dans l'embarras. Confingo.
Oula, oula, qu'est-ce qu'elle fait? Wouhou! Ellie, elle a volé! Et merci pour le follow! Ah non! Pas concentré, je suis pas concentré, je fais n'importe quoi. Ah mais laissez-moi tranquille. Et pourquoi je le vois pas lui là-bas? Pourquoi je le vois pas? C'est quoi ce bug? Oh mais ils m'emmerdent tous là. Pourquoi je le vois pas lui? Ben voilà. Et là, c'est le moment du gros gros truc. Waouh. Ah mais non, ça je peux pas, oui d'accord, du coup faut que je garde ça. Et il faut que je prenne ça. Oh salaud! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oubliez ça. Ah non, ça n'a pas marché. J'ai pas encore Avada Kedavra. Et voilà! Let's go! Sans forcer, hein.
sans forcer, sans galérer. C'était même un petit peu trop simple, je trouve. Il n'y a rien à récupérer, c'est bon, on peut y aller. Une fois que tu maîtrises vraiment les B.A.B.A. du combat et tout, c'est un régal et c'est trop bien. Bon, après, vers la fin du jeu, vous allez voir que ça va pas être la même sauce. Hein. Là, je fais un peu le malin. Mais vous allez voir que vers la fin du jeu, bon, on risque de galérer un petit peu plus. Notamment un combat qui est assez... qui est assez insane. Bon, on va prendre lui, hein, la petite robe de nuit, hein, parce que bon, il y a quand même plus 5 points. Et là, la tenue. Ah mince, j'ai pas encore le niveau pour. C'est nul. Et là. Oula, il y a du monde là. Plus 6. Plus 9. Plus 1. Bah lui, hein. Plus 9. Tac. Par contre, on va changer vite fait ça. Ça, je veux pas. Là, pareil, le pyjama, c'est bien gentil, mais. Mais on va prendre. C'est moche. Voilà, comme ça. Il n'y a que la jupe et les chaussures qui changent. Hop là. GG. Bah merci à vous. Un peu de soutien, ça fait plaisir quand même. Hein. Plutôt que Lash King qui veut toujours me voir mourir là. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous. C'est drôle de te voir mourir, surtout quand c'est toujours du crash. Ouais. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Écoute, moi comment ça s'appelle ? J'estime que c'est des valeurs normales. Et que tout le monde devrait être comme ça, et donc pour moi, ça me semble tellement normal. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Hop là. C'est bienveillance incarnée. J'essaie en tout cas le plus possible. Après, tout le monde n'est pas parfait. Enfin, je suis pas parfait non plus. Mais c'est vrai que j'essaie le plus en plus. Parce que, enfin, le plus possible. Et surtout par l'intermédiaire du jeu vidéo. Parce que, voilà quoi. On vit dans un monde qui n'est pas des plus beaux et des plus heureux. Donc, un peu de bienveillance ne fait jamais trop de mal. Vous êtes de retour. Et, formidable. Vous revoilà. Et c'est aussi un petit peu égoïste, hein, morceau, qui plus est. Parce que bah, s'entourer de gens bienveillants, s'entourer de bienveillance, bon, ça rend heureux aussi. Hein. Le professeur positif, le positif attire le positif, comme on dit les amis. C'est au château de Rockwood.
À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Let's go. Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Et voilà, la deuxième épreuve, c'est fait. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Et nous voilà en hiver. C'est beau. Avec la neige, c'est incroyable. Je suis encore le dernier à me lever, bordel. Ouvrir le journal des quêtes. Il y a beaucoup de trucs là qu'on n'a pas fait là. On a déjà plein de choses dans l'inventaire. Voilà. Plein de choses dans l'inventaire. On a quoi ? Les défis, on a réussi plein de défis dans le combat par exemple. Qu'est-ce qu'on a réussi dans le combat ? On a réussi ça. Ça, les vaincre les mages noirs. Tac. Tac. C'est bon, j'ai tout fait. J'ai rien oublié. Ok. C'est tout, il n'y a que ça. Ok. Et du coup, on a gagné pas mal en collection. On a gagné quoi en collection ? On a gagné ça. Je sais pas, les attributs, ah oui, c'est les attributs qu'on peut après perfectionner nos équipements et tout, qui sont pas vraiment utiles. Des invocations, on a débloqué plein d'invocations, pareil, il faudrait que j'aille dans la salle sur demande, parce qu'il y a vraiment plein de trucs à... On peut vraiment faire une salle sur demande de ouf, mais je vous avoue que voilà, la neige est bien détaillée ou pas. Ça va, franchement, tu vas voir. Hop. Ah, il y a quoi en bestiaire que j'ai pas fait ? Ah mais oh, t'es en bas, ok d'accord. Voilà. Hop. Le masque de sirène forcément. Ok. Et enfin les créatures et oui le sombral qu'on a vu tout à l'heure. Hop. Et ben voilà, let's go. Ah non, le journal des quêtes, j'ai oublié le journal des quêtes. Journal des quêtes. Et donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah super, on n'a plus rien à faire. Génial. On va devoir trouver des choses à faire. Max,
Marty m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. Salut personne, bienvenue à toi. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Ah bah super. Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion. Bon. Ah. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Ah bah si on peut apprendre un sortilège pour tout faire péter, moi je dis pas non, hein. Professeur, on va aller faire quoi du coup? Devoir du professeur, obtenir un Draco sac de capture, obtenir un crapaud géant avec le sac de capture. Ok. Donc ça du coup, je sais comment faire. Voilà. Il faut aller voir Chick dans la salle sur demande. Et la salle sur demande, c'est dans les pièces secrètes. Et c'est là-haut. Hop là. Comment ça va, personne? Et salut Mario. J'avais pas vu Mario que t'étais sur le chat. Chick aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Bien sûr. Bonjour Chick. Le professeur. Et salut Xavadre. Me parler du métier à tisser. Bienvenue. Ah, bonjour. Oui, bah ça va super. Chick, je vous avoue les amis, je commence à avoir la dalle. J'ai pas mangé avant, je commence à avoir la dalle. Et je pense à mon plat de pâtes. J'y pense là. Ah mais non, mais le sac de capture, on l'a déjà. On l'a déjà, le sac de capture. Oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Chick voulait vous dire qu'il a eu une idée. Pas grave, régime. Ah non. Enfin, ah oui, ah si, mais... Avec mais non. Le métier à tisser. Arrête devant ça tes pattes. Mais ouais, mais là... Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte. Et Chick sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chick n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet que vous avez fabriqué avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chick a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je veux pas déranger pour le NSTG. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Je comprends. Qu'est-ce que tu racontes, Attila? Je vais retrouver Tobbs. Oh, merci. Revenez dire à Chick ce que vous aurez découvert au sujet de son vieil ami. Il va très bien, Chris Bandicoot, et toi, Badr? Du coup... Trouver la grotte, ok. Mais du coup, on va aussi faire, parce que j'avais oublié, mais on a déjà le sac de capture. Donc on va faire ça. Et on va regarder un peu où est-ce qu'on peut choper des crapauds. Là-bas. Ok. Bah let's go. Let's go, let's go. Andolorie sur tout le monde. Ah bah carrément. Je cherche pas à comprendre... Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Hop. Ah bah oui, mais du coup, voilà, il neige. Alors allez, vous savez quoi, on va même prendre l'hippogriffe pour y aller. Regardez comment ça va être classe. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Je ne sais pas encore si je vais faire un troisième NSTG. J'aimerais, mais ça demande du temps, ça demande de l'argent et tout, donc on verra. Regardez comment c'est beau! Hogwarts Legacy 2 en 2026, mais j'espère. Regardez, moi j'adore. Hein. C'est ici qu'il y a des crapauds? Ah non, un Draco. Allez, hippogriffe. Enfin, par contre, l'hippogriffe, c'est pas pratique pour se poser.
Et merci mon Axeman pour le resub. Putain, je vais pas arriver à me poser. Merci beaucoup. Dumbledore est né quand? Ouf, alors là, là par contre, tu m'en demandes beaucoup, hein. On va faire ça. On va faire ça. Ah bah super. Ah bah super. Hein? Comment ça se téléporte? Ok, donc on va en sélectionner un, genre lui là-bas. Allez! Eh ben, t'es relou celui-là. Il était celui-là. Alors, Hogwarts Legacy 2, je pense, hein, vu le succès du premier, ce serait complètement fou de se priver d'un deuxième, quoi. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Glacius? De quoi Glacius? De quoi tu parles, Attila? Je comprends pas. Je comprends pas du tout là de quoi tu parles. Mm-hmm. Retourner un fangieux. Ouais, mais je veux pas un fangieux là. Moi, je veux un. Je veux un crapaud là. Ah voilà, là il y en a plein. J'ai étudié le livre de sorts de Salazar Serpentard. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une découverte. Arrêtez au moment. Non, pas lui. Bon bah si, on va prendre lui alors. On va prendre lui. Tous mes devoirs sont finis. Et allez, on retourne à Poudlard pour apprendre le sort d'explosion. C'est Ghostbuster ou quoi? C'est un peu ça, on va dire. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être même une référence à Ghostbuster, mais c'est vrai que ça fait penser au sac de Dragono qui peut contenir plein de créatures. Mais c'est vrai que je me rappelle pas que dans les Animaux Fantastiques, il attrape les créatures comme ça. Donc ça peut faire, ça fait penser à Ghostbuster. Ghost Poudlard, exactement. SOS Poudlard. N'empêche, avec la neige, ça rajoute mais tellement plus. Pour moi, c'est les Animaux Fantastiques aussi, mais ça. Ouais, mais clairement. Le sac, oui, parce que dans les Animaux Fantastiques, on le voit ce sac de Draguno qui contient plein de créatures fantastiques. Mais c'est vrai que le côté, comme on l'attrape comme ça, ça fait quand même penser à SOS Phantom. Comment ça va, mon Axeman? Ça fait longtemps là que t'étais pas sur le chat.
Par contre, il va falloir continuer les épreuves de balai parce qu'on se traîne en balai quand même. Hein. Et on va aller apprendre le sort pour tout exploser. Nous ignorons tant de choses sur les créatures. Nous avons beaucoup à apprendre. Il est pas beau lui. Ah, la fibre à partir du 23 février, c'est bon ça. C'est bon ça. Bientôt le retour Axman, les amis. Aujourd'hui, le cours est terminé. Je suppose que vous voulez apprendre un... J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Oui, bah bien sûr. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Bah non. C'est pas notre genre. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême le précision. Le plus beau jeu que j'ai pu voir graphiquement pour le moment. Une main. Allez-y. Ça va se jouer entre régulier avec la baguette. Entre Red Dead, le sortilège d'explosion est Uncharted 4 et The Last of Us Partie 2. Pour moi, c'est un petit peu... Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Bombarde. Vos mouvements sont excellents. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois, d'un geste assuré et maîtrisé. Ça, c'est bon, ça. Qui infligera de lourds dégâts. Je prépare mon retour des lives et des vidéos, ça va être mon 52e retour. Eh ben, hâte de voir ça, hein. Tac. Inventaire, qu'est-ce qu'on a eu en inventaire? Tac. Et donc du coup, quête, on va faire quoi en quête? Dans l'ombre de la découverte, parler à Sébastien dans la crypte. Et bah let's go. Elle est où la crypte déjà? Ah bah là. C'est vrai que Uncharted 4, ah mais Uncharted 4 c'était incroyable. Non, Hogwarts il est très joli, attention, mais tu sens en fait que sur certains trucs que c'est pas du niveau d'Uncharted, de Naughty Dog, de Rockstar, mais c'est normal. C'est leur premier jeu, aux gars. C'est la première fois. Enfin, ils ont travaillé que sur des jeux minimes. Là, c'est leur premier gros projet, etc. Donc, on peut pas... Déjà, honnêtement, je vous le dis, c'est largement au-dessus de mes attentes. Vraiment largement. C'est pas une claque graphique, exactement. C'est très beau, mais c'est pas une claque graphique. Mais ça reste très beau. On ne croira jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'est moi qui l'utilisais, mec. Hein. Voilà. C'était très dur. Mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait. Parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui Horizon, qui apporte le pouvoir d'annuler. J'ai pas joué à Horizon. C'est pas moi qui me suis occupé du test. Et j'ai ni fait le premier ni le deuxième. Précisément. Je voudrais que je m'y mette d'ailleurs. De la relique. On les fera sans doute en stream. Nous ne Horizon 1 et 2. À personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Ok, on dira. Je ne vois aucune raison d'impliquer Ominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. C'est tout. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est ah, mais je m'en veux pas. Hein. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Ominis. On était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Ah, je l'ai pas fait Horizon, faut vraiment que je le fasse. Je ne vais pas lâcher le morceau. Ominis, Sébastien voulait bien faire... Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors, ses parents? Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. Okay. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Certaines références du livre mentionnées par Sébastien m'inquiètent. Je suis ravi que tu comprennes. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le-moi. C'est très important. Oh là là, c'est vos histoires, c'est pas les miennes, hein. Me faites pas chier, là. Ça, ce serait le truc dans la vie qui m'angoisse vraiment. Quand je suis le cul entre deux chaises... C'est qui lui? Ah mais c'est pas l'eau, putain, j'avais pas reconnu. Ça m'angoisse quand j'ai le cul entre deux chaises et qu'il y a des gens qui me disent de prendre part pour eux mais de pas en parler à d'autres. Ça m'angoisse. Un truc de fou. Je déteste prendre parti. Moi je suis la Suisse, je suis blanc, je suis neutre. J'aime pas devoir choisir des camps, devoir faire... C'est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Et allez, let's go, on va aller voir Poppy. Je suis neutre aussi, puis c'est... Mais ouais, carrément. Je déteste les gens qui se prennent la tête, les gens qui veulent absolument... je sais pas, qui se prennent la tête, en fait. Putain, la vie, elle est tellement... Elle peut tellement basculer du jour au lendemain. Chill, les gars. Chill. T'es beau en chemise cravate. Eh oui, mais c'est la chemise et la cravate qui font tout, hein. Mais ouais, souvent, il y en a qui se prennent la tête pour rien. Très souvent, même. Je t'en pose des questions, moi. Salut. Ils sont énervés, eux, ici. Hop là. Et on va devoir attendre Poppy. Céleste va bien. Je veux un balai volant dans Arc. Mais le Arc 2, il va sortir un jour ou ça se passe comment? Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi? Non, ça va, Lia, franchement. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Ça va. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux Trois Balais après l'attaque du troll? En quelque sorte.
Mais pour l'instant, il sort toujours du contenu pour le 1, donc pour l'instant pas prévu, mais on aura... Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin. Mais Arc 2, il a été annoncé en plus. Surtout après ce que tu as fait. Toutes les dates le mois prochain. Ah. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. C'est un dragon. De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Bah je garderai ton secret, hein. Encore des trucs qu'on me demande. Putain, mais sans déconner. Je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Et pourquoi je rencontrerai ta grand-mère? J'ai pas que ça à foutre, moi. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose. Ta meilleure amie, c'est ta grand-mère. Considérer. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Tout feu, tout flamme. Alors attendez, parce que moi je vais reprendre mon sortilège impardonnable. Voilà. Exploit de duel désarmé un ennemi. Mais je suis pas en duel, qu'est-ce que vous me faites là? Les centaures. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui, nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Comment il nous met un coup de pression, lui? Fais gaffe, hein, si tu veux pas que je te coupe tes sabots. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? Remoreda. J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Ah! Arcio, c'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. Oh, ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives. Je l'aurais bien aidé, le cerf, mais... J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il aimait dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Révélio. Des peaux. Pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. On va casser la gueule des braconniers. Ça, c'est bon. Putain, mais arrête de boire! C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Ah bah tiens, j'ai fait des rag... On peut faire des récoltes. Oh mais il y a... Il y a un petit coffre là-bas. Ok, un coffre qui sert pas à grand-chose. Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Révélio. Suivre Poppy. Allez, je te suis, Poppy. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des... Oh, regardez comme c'est beau, là. Avec le château en arrière-plan et tout, c'est magnifique ce panorama. Regarde, là-bas. Ce sont des braconniers.
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créature. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Oh non. Ou une approche un peu moins discrète? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. On va faire un petit sortilège de désillusion. Très bien. Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges de protection. Voilà. Je me suis trouvé une branche il y a quelques mois. Une belle là. Branche. Elle brille. Quand je trouverai lequel d'entre vous me l'a volée. Elle va se calmer, elle, là, ou je la calme. Voilà. Juste Dallas. Voilà. Il faut. Voilà. C'est comme ça qu'on fait le ménage chez les braconniers. On pourrait croire qu'il protège le. Mais elle fait trop la maligne, carrément. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Hop. Tac. Tac. Putain, ça loot à mort là. Tout ce qu'il y a ici là. Putain, il y a beaucoup de potions. Et ça va être encore une tente duplex loft 12 pièces. Ça alors. Voilà. Ce sont des dragons. Salut Bozak, bienvenue à toi sur le live. Bienvenue, bienvenue. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi ces secrets? Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Pléolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Ça fait des combats comme ça, mais clairement. Pourquoi les centaures méprisent les sorciers? Rejetez ta veste. D'autres dragons aussi. Bienvenue à toi. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Comment ça va, Bozak? Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Bah ouais, mais je vais essayer, hein. C'est une idée, je... Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer en marche. Ah. Revelio. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Bah, ils disent que nous allons trop loin. Que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah. What? What? Comment il m'a vu lui? Il est fou. Il y a un combat dragon juste à côté, hein, et tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on a des meilleurs équipements? Bah ça oui, mais j'ai pas encore le niveau. Ça non. Ça non. Et ça. Et ça oui, carrément. Carrément, carrément. Oh, merci du follow, Bozak. J'avais pas vu. Merci beaucoup. Vos emplacements. Ah, putain, mes emplacements sont pleins. On va faire le ménage. On va faire le ménage. Bon, bah là, il y a rien à faire comme ménage. Là.
Putain, je suis toujours à 20 équipements alors que j'ai fait je sais pas combien de trucs de Merlin là. Dans ma partie perso, c'est ça qui me faisait monter les emplacements d'équipements, je comprends pas. Merci à toi tes vidéos. Bah avec plaisir. Avec plaisir. Très content que les vidéos te plaisent. Merci à toi de me suivre et de les regarder justement. Hop. Allez, hop. On a fait 5 places, on a dégagé tout ce qui rapportait le moins d'argent. Je dois en avoir ici, voilà, le pyjama. Hop, tac. Hop là. Ah, je me sépare d'un pyjama pour récupérer un autre pyjama. Incroyable. Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? C'est la vie les pyjamas. Ouais mais pour te battre face à des dragons, chaud quand même. Ce n'est pas très équitable vu comment elle est enchaînée. Alors allons l'aider, d'accord? Eh ben ok, d'accord. Allons-y, comme ça, faisons comme ça. Regarde, ils ont un autre dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Allez là! Allô, Mora. Hop là! Très bien, j'ai l'œuf. C'est bon, l'effet de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Réveillon. Hop. Ah, on est full en potions. Il y a quand même beaucoup de potions à récupérer là. What? Il y a du monde là, il y a du monde.
Ouh. What the fuck. Comme ça que ça marche. C'est la guerre là, carrément. Là c'est la grosse guerre là. Ça sent la mort. Et ben même pas, tu vois. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Je suis trop un bon sorcier, je peux pas mourir. Moi, si j'avais été lui, j'aurais transplané. Comme ça, je serais pas mort. Et l'autre, elle est contente. Il y a tout le monde qui crame, il y a tout le monde qui meurt, elle est contente. On a eu chaud au miche hein, quand même, hein. Sans mauvais jeu de mots. Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Oh là là, panique pas. Qu'est-ce qu'on va faire de l'œuf? Puisque le dragon qu'on a libéré s'est Merci envoyé, moi, Tila. Est-ce qu'on peut garder l'œuf? Je préfère qu'on le garde plutôt qu'il soit entre les mains des braconniers. Du moins pour l'instant. Mais je ne crois pas qu'on devrait Merci le garder mon Lash King. Infiniment. Tu vois? On ne pourra pas le cacher au professeur Weasley très longtemps. Allez, sortons d'ici. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Merci Moreda. Et voilà. T'en es pas encore niveau 24 là. À chaque fois il me manque un rien pour passer au niveau suivant. Tralala, cette vue de nuit là, regardez ce château de nuit qu'il est beau. On en est où du coup au niveau des quêtes là? Sur les papillons et la lumière fut. Trouver un second point de repère de la carte machin, rapporter les lunes machin. Alors on va trouver la grotte. On va se battre contre les araignées. Elle est pas très loin en plus la grotte. Par contre il faudrait juste que je trouve un endroit. Un endroit pour vendre toutes mes tenues là. Sinon après j'aurai pas assez d'espace. Quel plaisir de vous revoir. Là-bas. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bah oui, c'est trop mignon, surtout la nuit, la... l'hiver avec la neige. La rend au plus sûr, et je vous en remercie. Mais de rien, avec plaisir. Allez, foire ton argent. Tac. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est BG la nuit. Ouais, la nuit est sous la neige. C'est incroyable. Allez, on vend tout. Hein. Merci d'être passé. Avec plaisir, madame. Ralentissez un peu pour... Oh là là, ça va.
Toujours des gens qui nous saouler, hein. Vous allez trop vite, vous avez fait trop ci, vous faites trop ça. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. On va voir un petit peu s'il y a des trucs à... du coup, alors attends. On va augmenter. Ah, ça me rend fou ces trucs comme ça. Alors attends, si on enlève... Comment on peut faire ? Faut qu'il y ait un truc. Ah, je pense que c'est comme ça. Ah, je pense que c'est comme ça. Là. C'est comme ça. Voilà ! Le signe du cheval. Une table d'astronomie, elle sera utile une fois la nuit tombée. Et ben voilà, niveau 24. Niveau 24, on va pouvoir améliorer quoi du coup? Ah ben ça, le truc de la bombe qui explose encore plus. Tac. Du coup, il faut que je me mette le truc de la bombe. On va le mettre. On va le mettre là-haut du coup. Bam. Tac. Merci. Et donc là, du coup, il faut qu'on aille où ? Là-bas. C'est presque trop facile. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Oula. Ah oui. Ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Ce rêve bleu, ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. BG, je vais jouer à Hogwarts de mon côté, merci pour ce moment, bisous à la prochaine. Eh ben, bien, à bientôt Younes, merci à toi d'avoir passé une nouvelle fois la soirée avec nous. Et bon game à toi. Hein. À la magie. Le maître de Tobbs est terrible. Hop, hop, hop. Tobbs ? Tobbs ? Je viens de la part de Chick. Tu es là ? Incendio ! À bientôt, Younes. Merci beaucoup. Revelio. Oula ! J'avais pas vu ça. Y'a du people. Ça va être relou là si on doit... Putain, il y a que du feu de... Que des toiles d'araignée de partout. Relou. Même dans les jeux, les toiles d'araignée, ça nous casse les couilles. Oula. What? 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 Oh la peur. What? 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 C'est par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer profondément dans la grotte. Oh cette frayeur, je m'attendais tellement pas. Bah je suis pas trop arachnophobe mais le bug en fait de l'araignée qui vient popper devant moi. Waouh. Mais attends c'est un. Et oui, c'est un bug, elle devait pas du tout être là en fait. Waouh, le coup de pression. Mais elle sort d'où en fait?
J'ai pas compris là. Oh, calmez-vous là. Putain, ça m'a fait flipper de ouf. Ah putain. Mais je crois que c'est un bug parce que même dans ma partie perso, j'ai jamais eu cette grosse araignée là en fait. Incroyable. Incendio. Natsai, c'est pas le bon moment là. Je suis un peu occupé. Incendio. Pouvons-nous nous retrouver aux trois balais? Depuis que nous avons non, mais c'est la fête en fait, vous avez choisi votre bon moment en fait. Hein. Ne pas être une araignée géante mortelle. Mais en fait, je sais pas si cette quête secondaire je l'ai faite ou pas. Je crois pas en fait. Cette quête secondaire ne me dit rien du tout. À la fois ça me dit quelque chose. À la fois ça me dit rien. En fait, il y a tellement de nombreuses... Non, j'ai pas fait. J'ai pas faite. Regardez ça là. Ah oui, oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais les arachnophobes, mais je vous plains, c'est impossible de jouer à ce jeu. Ouais, non, cette quête, je n'ai pas faite. Ah ouais, d'accord. Ce bruit n'augure rien. Ok, donc cette quête secondaire, je ne l'ai pas faite. Donc on va dire que je la découvre là en même temps que vous. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a la grosse araignée et que ça risque d'être un petit peu délicat à la fin de la quête. C'est vrai que j'avoue que... On peut pas dire que je kiffe les araignées mais... Voilà, enfin ça me... Je suis pas non plus hyper dérangé, ça me dérange pas. Mais j'imagine que les arachnophobes, ça doit être horrible. Ça doit être mais une PLS monstrueuse de jouer à ce jeu. Elle est là! C'est Aragog.
Voilà, ça c'est fait. La grosse, elle a dégagé. Ouf. Alors toi ma parole. Voilà. C'est pas compliqué. C'était pas compliqué. C'était pas compliqué, mais grosse pensée à ceux qui vont devoir jouer au jeu et faire ça pour les arachnophobes. Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Surtout qu'en général, on contrôle pas ses peurs. Hein. Oh non. Oh. Cet elfe de maison, ça doit être Tobbs. Oh pauvre non. Tobbs. Il est mort. Abandonné à son sort avec les araignées. Oh. Le pauvre. En plus, il s'excuse auprès de son maître. Putain, mais il y a vraiment des sorciers, c'était vraiment des sacs à merde. C'est triste. Waouh. Ah ouais, là il y avait jackpot. Des araignées. Hop là. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Oh, trop bien. Et voilà. On va aller annoncer à son ami que... Bah que c'est la fin, quoi. What? Elle m'attendait à la sortie, elle. Voilà. Du coup, faut retourner dans la salle sur demande. Salle sur demande, salle sur demande, salle sur demande. Hop, le carte de Poudlard. Les pièces secrètes, salle sur demande. Hop là, toujours plus d'araignées. Ah, c'est vrai que dans le jeu il y en a beaucoup. Hein. C'est sur ça. Bah, c'est le moment d'annoncer la mauvaise nouvelle. Hein. Je suis de retour de la grotte, Chick. Fantastique. Oh, Chick espère que vous avez salué Tobbs. Bah, je suis désolée de t'annoncer ça, Chick. Mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non, c'est ce que craignait Chick, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Chick et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui. Nous avons. Il y a un peu de poussière dans la salle sur demande là. Chick aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Chick a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Chick. Chick lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navrée pour ton ami, Chick. Merci, vous êtes bien aimable. Chick voudrait être seul pour réfléchir. Si bien sûr. Ça ne vous dérange pas. Bien sûr que non, Chick. Hop, du coup,
On a un nouvel équipement. Ça, ça nous rapporte pas plus. Ça, c'est bloqué. Ça. Ça, oui, ça nous rapporte plus. Tac, mais on va le dégager. Ça, il n'y en a pas plus. Et ça. Non. Ok, tac. Inventaire, inventaire, inventaire. Hop, hop. Oh, inventaire. Ok, tac. Les défis, qu'est-ce qu'on a relevé comme défi? Ben, on a dû bien défoncer des araignées là. Les mages noirs aussi. Les mages noirs. Tac. Hop. Les araignées. Et voilà. Donc, les défis, c'est fait. En collection, du coup, on a débloqué des trucs en collection. On a débloqué ça. Et c'est tout. Ah non? On a débloqué quoi aussi? Ah oui, le premier. Tac. Ça, on a trouvé des nouveaux ennemis. Hop, la grosse araignée. Burk. Burk, burk. Tac. Et voilà. Et en quête. Et en quête, on a déjà pas mal de choses à faire qu'on fera. Ah! Récupérer la page du guide des sorciers dans le port souterrain. Récupérer la page du guide des sorciers. Ok, d'accord. Bah, ça, les amis, on s'en occupera la semaine prochaine. Puisqu'il est déjà 22h51. Je sais pas si j'aurai le temps de refaire une quête. Et que j'ai surtout la dalle. J'ai surtout la dalle. Alors, du coup, déjà la fin. Bah oui, ça fait déjà 3h qu'on est ensemble. Hein. Ça fait 2h59. Dans 10 minutes, ça fera 3h. Et en fait, comme les quêtes commencent à être de plus en plus longues, je sais pas si je vais avoir le temps de faire une nouvelle quête. Et je vous cache pas que j'ai pas bouffé, donc j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Et c'est vrai que le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite, surtout que là, moi, ça faisait une semaine, enfin 5 jours que j'avais pas joué à Hogwarts. Donc ça m'a fait trop plaisir de pouvoir y jouer. Mais en tout cas, j'espère que les amis, vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée et vous avez kiffé. Nous, on se retrouve lundi. Lundi, on sera sans doute sur Hogwarts aussi. Lundi, je pense. Je vais voir un petit peu le programme, ce que je prépare. Mais je pense que lundi, on recommencera un peu à passer en... Ah non, mais attends, si, la semaine prochaine. Voilà, on verra. Je vous ferai le programme lundi matin, comme d'habitude. En tout cas, les amis, passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Et ben nous, on se retrouve donc du coup la semaine prochaine. Salut à tous.